Ok les amis, aujourd'hui petite vidéo d'un petit urbex en plein jour dans un spot en pleine forêt trouvé totalement par hasard. Ça va être rapide parce que c'est un petit spot, mais ça fait toujours plaisir de trouver des petits spots comme ça abandonnés en pleine forêt. Je vais surtout tester en fait une nouvelle façon de filmer. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez kiffé en tout cas cette nouvelle façon de filmer. Le son aussi parce que je suis en train de tester un petit microphone. Donc n'hésitez pas à me dire si vous kiffez tout ça et puis c'est parti, on y va! Allez, c'est parti les amis, on s'aventure dans les bois pour trouver donc ce spot relativement petit. Mais bon, c'est comme je vous disais, surtout pour tester. Par où on va passer? Ok, on va aller tout droit. Donc je vous reprends tout de suite, je vais avancer. C'est pas évident. C'est parti. Je voulais vous remercier les amis parce qu'on arrive bientôt aux 100 abonnés. Ça fait énormément plaisir parce que des chaînes j'en ai créé dans ma vie et je suis toujours arrivé à 25 abonnés grand max. Et là vraiment on arrive aux 100 abonnés et ça me fait vraiment plaisir. Et puis on arrive au spot, plus très loin. La maison est juste en face. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vraiment si vous aimez les images, la qualité, au niveau des FPS, si ça fait pas mal aux yeux ça. Le son, très important. Et puis, voilà. On va rapidement faire le tour. Là, vous pouvez voir un truc tout bête, hein. Mais les arbres avec le lierre qui a grossi, qui monte, qui entortille le tronc, c'est super sympa, je trouve. On peut voir ici un tronc d'arbre qui s'est effondré pardon, sur la bâtisse. Ok. Donc là c'est là-haut. Regardez. Je sais pas si on voit bien, c'est là. Au sommet, il y a une espèce de stand de tir en fait, parce que ici on se trouve tout simplement dans une ancienne maison de chasse. Donc, il devait y avoir un des chasseurs qui vivait ici. Et tout simplement, qui chassait. Donc, c'est écrit un peu partout. Comme je vous disais, on peut retrouver ce genre de choses là partout. C'est des cartouches de fusil, calibre 12, je pense. Ok, donc là je disais, on est dans le lieu. Là vous pouvez voir que tout est effondré, qu'il reste vraiment plus grand chose.
Ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu la première fois. Regardez sur les murs. Voilà des petites gravures. Je sais pas trop ce que c'est. Silence du lieu, les arbres qui grincent, c'est pas très rassurant. Là, vous voyez, ça devait être sûrement une case à pigeons, quelque chose comme ça. Ah, voilà. Écoutez les amis, c'est la fin de cette petite exploration très rapide. J'espère malgré tout ça qu'elle vous aura plu. Je vous invite vraiment à poster votre meilleur pouce bleu, à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes futures explorations qui promettent d'être superbes. Merci de votre soutien, merci pour les 98 abonnés et je vous dis à la prochaine. Ciao!